J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On est lundi matin, il neige dehors. C'est la petite neige, la première petite neige qui tombe. C'est vraiment cute. Mon chum me dit que les pingouins ont frotté leur flocon de neige. Fait que, géant, il doit être neige. Il a dit, ouais, est-ce qu'elle reste au sol? Ben, il y a un tapis blanc. Fait que là, j'ai tout ouvert les fenêtres. Ben, ouvert les fenêtres, ouvert les stores, là, précisément. J'ai pas ouvert les fenêtres, là. Mais j'ai tout ouvert les premières neiges qui tombent. Ah, en plus, là. Faut que je vous montre. Regardez! C'est plus que des toits gelés, là. C'est de la vraie neige qui reste au sol. On verra bien. Pour ce matin, on va se préparer un café. J'hésite encore à me faire un mon caramel poivré puis déjeuner plus tard avec des toasts au beurre de pomme que j'ai fait hier. Ou me prendre un décaf. Mais j'ai pas envie de toast au Nutella un matin. On va sortir les tailles de Noël. Les cartes de Noël. J'ai ma paye demain. J'ai pas réfléchi à ça, j'ai fait monter un pain, mais mon four marche pas tant que ça, fait que je sais pas si je vais faire cuire là ou dans le four grill que j'ai. Ma petite fille vient de monter en haut. Mon autre petite fille est ici. Mon autre petite fille est là, là. Elle a bougé tantôt. Moi j'aime ça la première neige, je trouve que ça fait cute, ça fait... Ça fait vraiment l'ambiance des fêtes. On voit toujours mon sapin en background, il n'est pas allumé, là. J'ai juste allumé la lumière de mon salon. J'ai pas conclu le vlog hier. Hey boy! Je pense que mon pain a plus que mon thé, hein? Mon prochain pain que je vais faire monter, je vais le faire monter dans son moule. Mon beurre de pomme, il ressemble plus à un beurre caramel. Hier, j'ai pas fait de montage aucunement sur mes vidéos. J'ai juste été écouter quelques émissions de télévision, plus Occupation d'hommes, puis tout. Fait qu'on va goûter à ça. J'ai doublé la recette en plus, puis ça m'a juste donné ça. Mmh. Je peux vous dire que c'est bon. Fait que moi, je vais vous laisser. Je vais finaliser de préparer mon déjeuner. Puis, on se reparle un peu plus tard, les amis. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 10h05. J'ai déjeuné. C'était super bon, mon beurre de pomme. Aussi, je voulais vous dire qu'il y a un nouveau vlog en ligne. C'est le vlog du 13 novembre. Qui est présentement en ligne sur YouTube. J'ai aussi refait mes petites vignettes pour... mes vidéos. Puis là, ben, je suis en train de m'installer dans le bureau pour filmer mes produits terminés qui sont ici. La fois, j'en ai pas mal cette fois-ci. Et je me suis emmené un autre sac à côté pour mettre mes produits terminés là-dedans. Puis j'ai aussi monté mes favoris du mois. Quelques favoris du mois.
Fait que je vais pouvoir commencer à tourner cette vidéo-là aussi. Puis après ça, je vais voir ce que je vais tourner d'autre. Comme je vous dis, j'aime ça avoir plusieurs vidéos tournées d'avance. J'ai pas continué mes cardinales encore. Vous voyez presque plus. J'ai vraiment plus fait de montage de vignettes. J'ai été aussi faire une brassée de vêtements que j'ai mis dans la sécheuse. C'est du linge. La neige est en train de fondre dehors. Là, il a arrêté de neiger dehors, mais il pleut. Ou il a arrêté de pleuvoir. Mais c'est en train de fondre déjà, fait que je vais aller essayer d'aller prendre des petites shots dehors avant que tout fonde, parce que c'est la première neige. Ma bédaine, là, apparaît beaucoup, là. Hein, là-dessus? Amélia est en forme aujourd'hui, elle bouge beaucoup. Puis pour dîner, je devrais manger ma salade de quinoa que j'ai faite. Tantôt. Je vais aller prendre une petite marche cet après-midi, ça c'est sûr. Ensuite, je vais continuer ma liste de Costco. Parce que je vais y aller cette semaine, jeudi ou vendredi, mais que je sors pour prendre à mes rendez-vous. Demain, j'ai un rendez-vous avec ma psy. J'ai recommencé, je ressens le besoin de lui parler avec les derniers événements qui se sont passés. Fait que ça va vraiment faire du bien. On dirait qu'Amélia, quand elle bouge dans mon bedon, elle fait comme des... Comme ça marcherait dans mon ventre, comme ça, là. Ça passe vite quand même, 34 semaines. Fait que je vais tourner ma vidéo. Puis je vais l'importer après sur mon logiciel de montage. Puis je vais peut-être prendre une pause d'ordinateur aussi pour aller filmer d'autres vidéos. Et ça va laisser le temps à mon ordi de se refroidir. Puis peut-être continuer plus tard à faire du montage. Je vais peut-être aller écouter un petit film de Noël en dînant tantôt. Ranger ma cuisine. Fait que c'est à peu près ça ce qui se passe en ce moment. Fait que je vous reparle plus tard. Puis je m'apprête à emballer des cadeaux de Noël. Mais un cadeau en fait. Je sais que je m'y prends tôt. C'est mieux m'y prendre plus tôt que dernière minute. C'est un cadeau qui traînait, puis je n'entendais pas que la personne puisse le voir. J'ai ressorti mon vieux papier d'emballage que ça fait plusieurs années que j'ai. C'est celui-là ici. Je l'avais acheté aux États-Unis, au Kmart, au Walmart aux États-Unis quand on avait le droit d'y aller. Puis il m'en reste encore plein. Il m'en reste encore pour cette année. Et je penserais qu'il va m'en rester pour l'année prochaine. J'ai pas de boucle, puis de... J'ai pas de boucle de chou, mais ça, je vais aller m'en chercher après. Je pensais que j'en avais, mais je vais regarder dans mon autre boîte si j'en ai. Mais pour le moment, j'ai l'impression que j'ai pas ça. On va pouvoir tout de suite commencer à emballer, à mettre des cadeaux en dessous du sapin. De toute façon, il y a neigé aujourd'hui. C'est pas la meilleure pour emballer des cadeaux de Noël, je vais vous dire franchement. Mais là, puis je pense que demain ou cette semaine, je vais aller acheter les cadeaux des petites filles, de mes nièces. C'est pour ça que j'ai gardé mes boîtes Amazon et tout. J'ai sorti aussi un pain aux bananes et pépites de chocolat du congélateur. Ça va faire décoration, puis des déjeuners aussi. Parce qu'à midi, j'avais encore une fois envie de m'acheter une frite. De me commander une frite sur Internet, par Uber. Ou, bon, je ne savais pas où, mais j'avais envie de manger une frite. Puis je me suis dit, non, on va se résigner à manger santé à la maison. Puis peut-être qu'au courant de la semaine, on se gâtera avec une frite. Mais on a déjà commandé du restaurant hier, dimanche.
puis vendredi. Fait que, non, on mange à la maison, fait qu'on découvre d'autres façons de se faire des décorations. Puis là, cette semaine, je vais aller peut-être à la fruiterie ou à l'épicerie acheter d'autres fruits parce qu'il me reste juste. Il me reste encore des framboises et des bleuets. Mais il m'en reste plus tant que ça. Puis j'aime ça manger ça avec du yogourt. Puis là, j'ai plus de yogourt valable. Ma fille. Cléo s'amuse à courir d'un pas puis de l'autre. Tu joues à la course? Tu fais la course contre qui? Je vais sûrement aller de leur amour aussi acheter le cadeau des filles. Je leur faire sûrement une petite boîte de trucs intéressants. Avec même des choses de la maison. J'aime ça emballer des cadeaux. Vous, est-ce que vous aimez ça? Il est déjà 9h30. Demain, je vais peut-être me commander un mousson à lait. Il est en spécial sur Amazon. De papier d'emballage. J'ai même pas déroulé mon papier encore là. Du papier de soie en masse. Hein, je me souviens, j'avais même du papier carotté, tout. J'ai même des cups à muffins, des flocons, je ne me souviens pas pourquoi j'avais ça, pas des mini muffins. Je sais que papa il va trouver ça drôle. Je le mets un peu caché pour pas que Benji le retrouve puis le mange. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 5h18. Je vous ai pas reparlé depuis un méchant bout, je me suis même plus décalée. Quand je vous ai reparlé pour la dernière fois, j'ai même pas montré ce que j'ai mangé pour dîner. Je pense que c'est après d'avoir emballé les cadeaux que j'ai quitté. Après d'avoir emballé les cadeaux, j'étais allée m'installer sur mon lit, puis je me suis endormie pendant 2h30. Fait que je pense que j'avais besoin de faire une sieste, ça a vraiment fait du bien. Même mon chien est venu me rejoindre. Quand je me suis réveillée, il était presque 4h. Puis le papa est arrivé. Fait que là, en arrivant, ben, je me suis pris une petite collation, prendre une marche. J'ai pris une marche avec mon chien puis mon chum, mais à un moment donné, nos chemins se sont séparés parce que mon chien est parti. Mon chien. Mon Dieu, je suis. Mon chum il est parti vers l'école, vers le stade de baseball. Pour aller faire courir Benji, puis moi ça me tentait pas de me rendre jusque-là, je trouvais ça loin.
Un peu. Parce que oui, j'essaie de prendre ma marche à tous les jours. Mais en même temps, je veux pas forcer puis aller trop loin. Puis tout. Fait que moi, j'ai retourné sur l'autre bord. Puis j'ai arrêté à l'épicerie à acheter des choses que je vais cuisiner. C'était pour souper, mais en fait, je sais même pas encore ce que je vais faire pour souper. Sinon, j'ai trouvé des choses pour demain soir. Congé encore à la mer. En congé. Je suis déjà en congé depuis un méchant bout. Mais demain, je reste à la maison. J'ai seulement un rendez-vous à 2 heures, à 1h30 avec la psy en vidéoconférence. Puis demain soir, on va se faire des rouleaux impériaux. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez IGA. Puis en passant, je suis allée à la poste. Colis d'une de mes amies qui reste à dans le coin de Montréal. Fait que si tu passes par ici, Myriam, coucou! J'ai reçu ton colis. Elle m'a demandé que je l'ouvre en vlog. Ça me dérange pas pantoute. Même que j'aime ça vous montrer ce que les gens m'offrent. Je vais vous montrer la boîte. Elle a l'air d'avoir quand même toutes sortes de choses dedans. Supposément, c'est pour Amélia, puis j'ai hâte de voir. Fait que j'ai pris une bonne marche de 10-15 minutes aujourd'hui. Fait que c'est bon pour le moral, pour bébé. Oh boy, ces trucs. Hey boy, c'est minuscule. C'est les collants pour fermer les cartes de Noël. Je m'attendais à ce que ça soit plus gros, là. Je pense que je vais continuer avec mes petits collants de Noël. Parce que c'est mieux que rien, là, mais j'avais une petite faim quand j'étais allée, quand j'étais arrivée. Fait que je voulais m'en commander ce midi, mais finalement, ça me tenait pas de commander au resto puis ça me coûte trop cher. Fait que, avec la livraison puis tout, j'ai mangé des frites. Deux tartes avec deux couverts, c'était 4 et quelques. Ensuite, j'ai acheté, je vais me dépêcher parce que mon chum est arrivé. J'ai acheté des feuilles de riz. Parce que demain, je vais faire des rouleaux de printemps, comme je vous ai dit plus tôt. Diego, j'ai acheté 2 paquets de porc haché parce qu'il était en spécial. Un avocat pour les rouleaux intérieurs. Sigoberge pour les rouleaux intérieurs. 4 Activia, il est en spécial à 1$ pour le matin. Ça va être très bon en yogourt, en smoothie pour déjeuner. Et c'est tout. Et pour le colis, je vais aller l'ouvrir dans le bureau. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 5h30, proche de 6h moins quart. J'allais dire que je voulais vous ouvrir le colis en vidéo parce que la personne me l'a demandé. Fait que là, j'ai rangé mon épicerie. Mon chum est rentré avec Benji. Tout va bien. Le colis vient de Myriam Adam. C'est une personne qui me suit ici sur YouTube. C'est une personne qu'on se suit depuis nos débuts de pas de problème, mais de parcours en fertilité. Ouais. On se suit depuis le début. Elle a tombé enceinte la première fois qu'elle a eu son insémination. Moi, ça n'a pas marché. Mais j'ai pas baissé les bras, j'ai continué. Fait que elle, on s'est suivi, même si moi, j'étais toujours en processus. Fait que là, ça fonctionne. Elle a eu sa petite, Juliana. Fait qu'elle m'a décidé de me donner un petit collier pour ma fille. Fait que si tu passes par ici, coucou. Oh my god. Il y a une carte, mais la carte, je vais la lire pour moi tout seul. Il y a donc bien du stock. Wow. Un petit chapeau comme ça. Oh.
un autre chapeau avec Minnie Mouse, un petit pyjama de Noël, un 0,3 mois, mais je vais pouvoir y mettre ma cassette. C'est tellement mignon. Un pyjama avec des petits pingouins. Oh, merci, t'aurais pas eu ce newborn en plus. Ça va être parfait pour sortir de l'hôpital. Ouais, l'hôpital, je vais mettre ça tout de suite dans sa... Je vais le laver, puis je vais mettre ça dans sa valise de pour l'hôpital. Oh, merci, tellement cute. Tim, Santa. Eh oui, hein, on tripe Noël tous les deux, puis un autre petit pyjama comme ça. Puis c'est un newborn. Wow! Un autre avec Elf. Elle va être gâtée, ma petite pupusse. Un attachus en tissu, c'est cool, merci. Un petit pyjama tout doux de Père Noël avec deux zippers. Un newborn. Merci, j'avais tellement pas de vêtements de newborn en plus. Des petites mitaines de Winnie, parce que aussi, une chose qu'on a en commun tous les deux, c'est qu'on tripe tous les deux sur Winnie the Pooh. Fait que, Winnie the Pooh, Noël, on a quand même des trucs en commun. Fait des petites mitaines de Noël. Des petites mitaines avec un petit singe. Merci beaucoup, là. Je m'attendais pas à tout recevoir. Des petites culottes comme ça. 0,6 mois, sont petites, sont vraiment mignonnes. Après ça, je vais leur en faire voir de toutes les couleurs. Un petit cache-couche comme ça. 3-6 mois. Puis, un petit pyjama de Winnie the Pooh. Wow! Zéro trois mois. Hey, tu viens de faire mon bonheur, Myriam, parce que j'avais tellement pas beaucoup de vêtements newborn dans mon... dans ma valise, puis à la maison, fait qu'avec ça, je suis bonne pour partir, je suis bonne pour starter le début, là. Il y en a un autre ici. J'ai tassé ça, c'est mes cartes de Noël qui sont là. Newborn. Puis le petit dernier. Encore un autre de Winnie the Pooh. Hey, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai quasiment le goût de broyer. Parce que tu sais ce que j'aime. Puis vraiment, là, ma fille, elle va être gâtée, là. Je vais vous montrer, là. Bon, mon chum est en train de prendre sa douche en bas. Regardez tout ce qu'elle m'a donné. J'en reviens pas. Winnie. Les petits trucs, le petit pantalon, le pyjama de pingouin. Ça, c'est vraiment une amie en or. Puis moi, je t'ai envoyé ta carte de Noël. J'attends que mon chum sorte de la douche. Je vais
Je vais prendre une photo puis le mettre sur mon Instagram, mais je vais attendre que le vlog soit sorti parce qu'elle voulait que je le filme en vlog. Mais c'est sûr que je vais le montrer à ma mère puis je vais lire. Fait que moi, je vous aime pas. Je vais préparer mon souper tantôt. Je vais vous montrer ce que je vais faire pour souper sûrement ou peut-être vous jaser par la suite. Fait que on se reparle très bientôt.